Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et Médias, où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias, afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Sujet potentiellement houleux aujourd'hui, mais important. De plus en plus de médias, d'organismes de presse imposent dans leurs intervenants et intervenantes qu'il y ait une parité, mais aussi de plus en plus de représentation de la diversité. Et si on s'attarde sur le cas de la présence féminine dans les médias, sachant qu'il y a entre 20 et 30% des femmes professeurs d'université au Canada, forcément ça implique que les femmes sont sans doute plus sollicitées que les hommes et que les journalistes contactent des femmes parce que ce sont des femmes avant tout. Et on va pas se mentir, ça peut être perçu comme un peu insultant. Il y a plusieurs messages là. Il y a plusieurs messages. On te dit quelque part, je t'appelle pas toi parce que t'es plus experte ou plus crédible qu'une autre. Je t'appelle toi parce que t'es une femme. Donc ça remet en question. Mais en fait, qu'est-ce que je vaux comme scientifique? Moi, je veux être professionnellement, je veux être une scientifique d'abord et avant tout. Personnellement, ça me regarde. Personnellement, j'ai tendance à répondre à ces appels-là justement parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui veulent ou qui peuvent répondre et ça leur appartient aussi. Mais il n'y a juste pas beaucoup de femmes de toute façon dans certains domaines, dont le mien. Moi, je trouve important qu'il y ait des figures féminines dans ces domaines-là, justement, pour montrer, pour donner l'exemple, pour montrer qu'on existe, pour inciter d'autres à peut-être considérer ces domaines-là pour elles-mêmes. Donc, il y a un peu de ça aussi au travers. J'essaie d'utiliser mon image à bon escient pour certains objectifs aussi. Notamment, je me rappelle lors de l'élection présidentielle de 2016, j'avais refusé de participer aux commentaires d'un débat parce que mon père était décédé. Je pense que j'avais une bonne raison. Puis on m'a dit, ouais, mais tu comprends pas, ça nous prend une femme, puis il n'y en a pas d'autre. Ouais, bon. D'accord. Donc, au-delà de l'insulte que ça représente, néanmoins, dans le sens de OK, je ne suis qu'une représentation symbolique d'un genre, je ne suis pas nécessairement qualifiée ou en tout cas jugée comme telle pour faire le travail, mais donc il y a ça aussi qui vient avec. Et donc, il y a une pression accrue à ce moment-là pour dire oui. Et je pense que c'est important qu'on dise oui aussi, parce qu'on le sait, quand on peut le voir, ben ça veut dire qu'on peut l'intégrer. Puis on se dit, ben moi aussi je pourrais faire ça. On le sait l'impact que ça peut avoir sur des gens, sur des filles notamment, des jeunes filles, quand elles voient d'autres femmes à la télé ou dans les médias. Ben je crois que je suis sûrement sollicitée davantage parce que je suis une femme, aussi parce que je suis d'une visibilité minoritaire. Alors, je pense que de ce côté-là, ça a un avantage parce que il n'y a pas beaucoup de femmes scientifiques qui veulent participer dans les entrevues avec les médias. En général, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui le font. Si vous me permettez de rajouter mon avis, étant donné que je suis aussi un peu concernée par la question, je rejoins Nafissa, Karine et Annie. Ça m'est arrivé aussi de sentir que je n'étais qu'un quota. Mais j'ai toujours accepté, malgré le petit goût amer que ça peut laisser, avec l'ambition ferme de montrer que je n'étais pas juste une personne qu'on pose là pour faire joli, mais que j'avais quelque chose à apporter. Et maintenant, je vois ça comme une superbe opportunité de changer la perception du public vis-à-vis de qui fait la science ou la recherche. Et si parler de mon travail publiquement permet de faire avancer la perception des sciences dans le grand public, ben ça en devient même valorisant comme expérience. Mais vous êtes peut-être pas tous et toutes d'accord, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce sujet. Vous pouvez tout à fait avoir une opinion différente, je l'accepte. Mais j'aimerais ajouter un autre point. Là, on a parlé de comment les journalistes viennent nous chercher, on n'a pas parlé de la façon dont le public perçoit la présence d'une femme dans les médias. Doit-on avoir peur de la réception du public parce qu'on est une femme? Ça vient aussi avec un lot d'inconvénients. C'est-à-dire que quand on passe à la télé, c'est moins vrai à la radio ou dans le journal, mais c'est plus vrai à la télé, il faut s'attendre à recevoir des messages plus ou moins intéressants quand on passe à la télé. Moi, je me suis fait traiter de grosse, de laide, de conne. Mes lunettes sont pas belles, je suis mal habillée, je suis mal peignée, je suis pas bien maquillée, je sais pas de quoi je parle. Les filles, ça devrait pas parler de politique. Je me suis tout fait dire ça. Je me suis fait parler de mon accent rural
épouvantable, plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada à cause de mon accent rural, des plaintes à l'Ombudsman de l'UQAM parce que ça n'avait pas de bon sens qu'on me donne un diplôme alors que je ne suis pas capable de prononcer les mots correctement. Mais après la discussion avec plusieurs de mes collègues masculins, des commentaires sur leur apparence, c'est beaucoup plus rare. Des commentaires sur ce qu'ils ont le droit de dire ou de pas dire, là, notamment la politique. Là, les gars se font pas reprocher de parler de politique. Les femmes se font reprocher de parler de politique. Je me suis fait dire que je devrais rester à la maison, élever des enfants. Je me suis fait dire toutes sortes de choses. Ce qui est pas mal en soi, en autant que ce soit ça que tu as envie de faire. Là, mais ça pour dire qu'il faut s'attendre à ça. Maintenant, je pense que ça vient surtout avec les émissions plus populaires, entre guillemets. Quand on fait de la télé, je sais pas, moi, si on fait le téléjournal de 18 heures à RDI, il y a moins de chances que ça arrive que si on fait « Tout le monde en parle », par exemple. Il y a moins de chances que ça arrive si justement on fait des émissions qui sont un peu moins vues ou un peu plus sérieuses, par exemple. Le témoignage de Karine, il est pas rare et il faut en être consciente, c'est sûr. Cela dit, comme l'objectif ici, c'est pas de vous décourager de participer, c'est même plutôt le contraire, permettez-moi de tempérer en rappelant que ce genre de réaction du public est possible, mais pas automatique non plus. Les autres femmes que j'ai interviewées pour cette série ne m'ont pas vraiment rapporté ce type de mauvaises expériences. Moi-même, qui suis très exposée, notamment via mon autre chaîne YouTube, où j'ai reçu quelque chose comme 70 000 commentaires dans les 8 dernières années, les commentaires sexistes que j'ai reçus se comptent sur les doigts de la main. Mais il suffit d'un commentaire pour que ça vienne nous chercher pile là où ça fait mal, et nous faire oublier tous les retours positifs qu'on a eus auparavant. Donc oui, ça peut arriver, mais c'est très variable. Ça dépend du sujet dont vous parlez. Karine, avec son domaine en politique américaine, est particulièrement exposée. De l'émission à laquelle vous participez, souvent, si on généralise, plus c'est populaire, plus c'est possible. Et de votre apparence aussi, tristement, etc., etc. Probablement beaucoup d'autres critères encore. Bref, la décision de vous exposer aux médias et au grand public, encore une fois, elle vous appartient. On amène ici des éléments de réflexion, mais pas une réponse. C'est à vous de jauger le ratio risque-bénéfice et votre capacité personnelle à gérer le risque potentiel. Je pense qu'il est assez sain de se demander comment on réagirait en cas de commentaire négatif ou sexiste, et surtout de se rappeler qu'on a toujours la possibilité de ne pas aller voir les 10 commentaires et de trier ses courriels. C'est aussi une façon de ne pas avoir de problème. D'ailleurs, à propos de ça, on va bientôt parler d'un nouveau thème, à savoir celui des réseaux sociaux. Et dans la dernière vidéo du thème, on parlera de comment gérer les commentaires déplacés, que vous soyez un homme ou une femme. Et si c'est quelque chose que vous craignez, je vous conseille de revenir pour cette vidéo-là qui vous amènera des réponses supplémentaires. On mettra le lien de cette vidéo dans la description dès qu'elle sera publiée. En attendant, on se revoit dans quelques jours. On arrive bientôt à la fin de cette série de vidéos et on aimerait savoir ce que vous en avez pensé. On a un sondage dans la description. Si vous pouviez prendre quelques instants pour le remplir, ça nous serait très utile. Merci beaucoup.